capable venir là pour m'a faire morale, pour m'a faire leçon. Mais faut rester dans réalité là. Faut dire ça que vérité là. On t'ai parlé sur ça hier soir, on va tourner sur lui. Sous question monsieur dame CPT ou bien monsieur CPT. Nous juste rester à attendre rapport d'enquête ULCC l'organe institutionnel qui est habilité pour mener enquête sur tout le monde qui dans l'état est estimé qui dans corruption. Même si n'a gagne pour nous faire un débat sur ULCC, on dit l'institution, on va dire la personne en question. Mais moi plus parler sur personne morale ULCC parce que son loi Hans Ludujak de passer main là-dedans pour te devant conseil des ministres pour nous garder pour nous faire ULCC son outil tout bon. Moi juste pas voulu parler rester sous question CPT parce que on trivialité dans débat yo question a parler des 4 crédit mais c'est son simple formalité même juste attendre rapport à moi-même si gagne on bataille pour mener si on une position pour gagner n'a gagne c'est à partir des rapports vous avez la parole si on une position pour gagner n'a gagne à partir des rapports d'enquête ULCC a gagné pour mener mais pendant la journée on entend des titres nouvelles en pile média. Et puis, nous avons annoncé, hier, il y a un conseil des ministres. Il y a un conseil des ministres. Et. Il y a un conseil des ministres hier. Il y a un conseil des ministres. Il n'y a pas fait. Le conseil des ministres, il y a reporté pour lundi qui vient là. Moins entendre des médias par des moins qui rapportait conseil des ministres l'a pas fait c'est parce qu'il y a des ministres qui pas décidé chita avec les conseillers présidentiels en question sous question scandale BNC moi les scandales parce que m'a parlé dit c'est corruption c'est peut-être son scandale Napton rapport ULCC, Napton rapport d'enquête ULCC. Mais mal cherché pour une qui ça va là. Dominique Dupuy qui pas là. Il y a deux ministres qui pas n'importe où prince. Attendez, ça me dit bien. Il y a deux ministres qui pas n'importe où prince. Et parmi deux ministres qui pas n'importe où prince, il y a Madame Dominique Dupuy. Qui c'est ministre affaires étrangères et des cultes, qui sont en même temps ministre haïtien qui vit à l'étranger, l'y trouver au Brésil depuis mardi qui s'est passé là, pas on dit mercredi plutôt, qui est au Brésil, qui trouvait au Brésil. Et il y a le ministre de la Justice, on a parlé de maître Carlos Hercule, ancien président conseil électoral provisoire. Et c'est ancien avocat Madame Edwin Tonton, ancien avocat Robinson Pierre Louis. Je veux dire que c'est ministre. Alors, il est ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, tout. Vous comprenez? Et il n'est pas Haïti. Alors, il est au cap haïtien. Il est au cap haïtien lui-même. Qui ça l'a réglé? L'a rencontré avec ensemble des commissaires gouvernement qui sont dans le nord-ouest, qui sont dans le nord-est, qui sont dans le nord, qui sont dans le plateau central. Ok? Et séance de travail déroulée hier dans la salle de conférence Villa Cana. Et question d'après chita sur hier, dossier d'après le traité hier, qui même dit ça dans le bouquin de la parole. Déjà, c'est tout un combat. Il regarde strictement ministre justice là.
qui doit expliquer bien fondé pour qui raison la commune de Limbé qui c'est deuxième plus grande commune dans le département de notre pays après Cap-Haïtien doit venir en juridiction de justice. T'as des nouvelles là, c'est pour quand la parole rap bailim qu'on a plus mon Limbé attendem là. Limbé pour aller gagner propre tribunal de première instance li. Limbé pour aller gagner propre parquet li. Région pour aller gagner propre prison par li. J'ai bien dit. Automatiquement projet ça li même li passé. Limbé pour aller gagner tribunal de tribunal de première instance li. Limbé pour aller gagner parquet li, li pour aller en juridiction de justice. Cap au service de Balimbé, Limbé, Pomago, Pilate, Plaisance, Boy. Peut-être que capable mettre la cul là-dedans par rapport à proximité. Ça veut dire j'ai une femme dans toute commune moi dit là, j'ai un garçon qui fait droit, qui est licencié. Nous ca commencer si documents passé, nous ca commencer par ces documents par nous. Qui intéressé vin commissaire gouvernement, qui intéressé vin substitut commissaire gouvernement, qui intéressé vin juge tout. On se mini justice là, Carlos Hercule, qui doit porter dossier. C'est lui qui mini justice. C'est lui qui doit vin expliquer bien fondé li. Même genre, si document passé parce que travail sous lui, Rouanamed doit vin en tribunal, doit on en juridiction de justice, même Jacques Fort Liberté. Ça dit, le département de cela a divisé en fonction de proximité. Lorsque Wanamet, si vous prison civile Wanamet, moun ki sorti Kapoti, Karis, et qui côté qui peut Wanamet encore, et Valière, et Moun Bekochi, puis près. La victoire qui est nord-est pays. Bon, peut-être, vous pouvez regarder qui commune qui parle sous Wanamet. On seul petit réserve, moi, gagné. Belader, il dit, il est capable en juridiction. Tout. Ça veut dire, plateau central, moi, il y a 17 communes capables de venir en juridiction. Même Jean-Abel là dans tout. Belader, moi regarde Belader qui voisin avec comme on dit ça Lasca Obas simplement parce que est-ce que vous pourrez rentrer mi balai, est-ce que vous pourrez le faire au fond seul parce que vous pas prendre des communes au fond juridiction. Bon, c'est vrai par contre pour en termes de population, mais mi balai déjà c'est lui couvrir bas plateau central. Vous avez la parole. C'est les mêmes qui couvrent le plateau central, mais c'est tout un débat qui peut le faire dans le Conseil des ministres. Ce n'est pas au Parlement. Dans le Conseil des ministres, qui me dit, nous, il y a une discussion, c'est comme si, pas parce que vous venez à un document, même si on travaille et qui fait la veille séance, non, ministre, qui est en connaît, et président, qui est en connaît, ce qui ça, vous pouvez le décider. OK? Vous pouvez le finaliser. C'est un conseil des ministres, c'est juste on finalisé discussion préalable. Donc c'est ça que fait conseil des ministres n'a pas fait hier. Et depuis une fin de l'année, notre marché dit, c'est dans boucanter la parole, nous entendons. Pas question ministre, pas avec chita avec un membre CPT. Si monsieur Damio, monsieur qui en question, mérite sanction, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Si vous sanctionnez, qui aime dit nous, et Gérald Gilles depuis mardi 21 décembre on groupe dans 21 décembre de vouloir mettre Gérald Gilles dehors. Depuis mardi Gérald Gilles pas existé, OK, comme président, comme conseiller présidentiel, c'est nouvelle mbaya soir. Depuis mardi que tout passé là, Gérald Gilles pas existé, mais combat lui même li fait. Mais le m'attend de sa cap d'idée, et puis sous question ministre qui parle chita, entre parenthèses, qui me confirme une nouvelle là, pour ne pas y avoir une question ça. Ministre qui parle chita avec même
conseiller présidentiel yo et c'est dans des Dario Syriac qui réagit sous lui qui mandé promesse min pour conseiller présidentiel ça mettez de côté dit eh gère ça cap dit là c'est vrai Dario Syriac il est de l'EPL qui fait un peu gymnastique pour la servir Ariel Henry nèg grand rivière dit non nèg dans pareil moi mais c'est porte-parole EPL qui est cap diriger conseil présidentiel là pour le moment c'est Edgar Leblanc l'entendé c'est Dario Syriac qui réagit dit eh il y a un complot vrai pour Edgar Leblanc était dans toute bail là mais Edgar Leblanc Abdoulie Assouer si rapport à favor à Banegio et gien pile causé et vieux maman pareil pour Zepina pareil pour vieux maman si rapport à ta favorable à conseiller présidentiel yo. OK on devait garder ça avec nous dans l'émission boucanté la parole à soir nouvelle qui vient de nous là Anthony Blinken doit rentrer en Haïti 5 septembre Anthony Blinken li doit rentrer en Haïti le 5 septembre qui vient là la gen pou chita nouvelle nan bon ti mamit. OK pour quitter moun k ap coche oreille nous dans sa y ap écrit dans sa y ap di nouvelle qui vient joun nan bon ti mamit Anthony Blinken de chita avec conseil présidentiel là qui gen 9 moun là-dedans mais son dilemme moi comme si pour secrétaire d'état de tout moun ça mais son gros chef secrétaire c'est ministre Eza c'est ministre affaires étrangères et américain Anthony Blinken. OK, il doit chita avec conseil présidentiel là et il doit rencontrer premier ministre haïtien Mouché Gary Kony. Il doit rencontrer avec lui Mouché Gary Kony. Ah ça c'est vraiment pas invité mais quand je me dis ça Sterling Saint-Ville, il démissionné des postes lui comme secrétaire général dans parti politique ED et on l'aide à joindre bureau politique national parti ça. Il a annoncé démission après un bilan qui est jugé qui satisfait tout le monde, selon proche Lio. Céline Steinville y informé et oui, information selon sa métronome a ajouté. Métronome dit c'est selon information rédaction Li joine sous sa direction. Parti a organisé en mai dernier l'une de ses plus grandes activités qui était rassemblée 4000 personnes dans le palais municipal grâce à mouvement femmes aidées prise de position ferme contre dérive gouvernement Ariel Henry il parlait tout également qui a joué un rôle important dans la négociation qui en cours. Il parlait tout fonctionnaire dans l'État, diplomate, ancien secrétaire général parti aidé, Céline Saint-Ville, il n'est pas jamais impliqué dans scandale de corruption. C'est pour ça, ses proches lui ont félicité, toujours selon journal Métronome. Et il quittait poste, malgré qu'il quittait poste là, proche lui ont félicité. Céline Saint-Ville il dit il était membre parti a son parti qui est fondé au côté camarade li mais pour quelle raison il quitté nous pas connait mais Céline Saint-Ville était très intéressé pour le devenir directrice générale FNE Fonds National Éducation et Céline Saint-Ville était rencontré avec Gary Kony Claude pas trop content passé ça pour qu'il ait démissionné est-ce que finalement et son jeune femme qui est capable, qui bourré avec capacité, ou a un trop bagarre capable pour chez lui. Mais il décide de quitter secrétaire général Patia. Il pas décidé d'aider encore comme secrétaire général. Et peut-être n'a pas connait dans jour. Pour qui raison, de quoi il en est, de quoi s'agit-il? De pas ça. Mais qui te dit nous, Sterling Saint-Ville. À un certain moment, non, il t'est parlé pour le devine ministre défense. Ça va marcher jusqu'à ce que il y ait une diaspora qui passe 25 ans là-bas.
qui pas maîtrisé terrain pays d'Haïti a très bien et qu'en pile doute sur nationalité. Donc je dis à c'est lui-même qui a géré le ministère de défense. Mais Staline Saint-Ville, c'est le journal Métronome, il va démissionner. OK? Tu dois garder ensemble des princes avec nous dans l'émission Boukanti la parole à soir. Avant d'entrer avec invité nous yo qui vraiment en pile à soir, gagné ministère travaux publics, on note qui vient joindre nous là qui pote signati souvle et ministre travaux publics là et nous confirmer l'île authentique. Il y a des changements qui opéraient dans quelques directions départementales. Là, nous sommes capables de parler de changements qui opéraient dans ensemble des directions départementales, travaux publics. Il y a parlé d'ingénieur Loni Anilus, le premier directeur départemental de la Tibonite. Alors, c'est directeur départemental, le premier assistant directeur départemental à Tibonite. DDA, l'ingénieur Kendi Dessous, il promet directeur départemental du centre DDC, l'ingénieur Yvon de Charnel de Mas, il promet directeur départemental de la Grandance DDGA, l'ingénieur Gerson Baguidi, les promis responsables de suivi et de contrôle à la direction départementale de la Grandance. Ingénieur Jean-Robert Bidoun, les promis directeur départemental des NIP. Ingénieur Zachary Luima, les transférer comme chargé de mission à la direction départementale d'ENIP, DDNI. L'ingénieur Andre Larrier, le premier directeur départemental du Sud, DDS, oui, il a changé directeur départemental Sud là. Andre Larrier, c'est lui-même qui vient directeur départemental Sud, parce que dit qui était là, tu as bien pile problème. C'est pour un groupe monde seulement qui a travaillé. L'ingénieur Marie-Judith Charles, les promis responsables d'entretien à la direction départementale du Sud. L'ingénieur Jean-Baptiste Junior Saint-Côme, les promis directeur, assistant directeur dans DDS Sud. Citoyen et Cholmi Dina, les transférés à titre administrateur à la direction départementale du Sud. La relation Sud, là, dans la lettre, là, Ronari, c'est Neg, machin, Neg pour Sali. Ils font laver, ils tirer à Vajon, ils font rati braza, ils font dans le département Sud pays. Ingénieur Claudie Pedre Balde, divine responsable district de Mimbalé. Ingénieur Vladimir Louis, assistant directeur départemental de l'OS, DDO, et responsable des suivis et des contrôles des travaux. L'ingénieur Judith Jean, lui confirmé dans le poste comme directeur départemental de l'OS, comme directeur assistant dans le départemental de l'OS. L'ingénieur Philippe Hector, lui promis responsable d'entretien à la direction départementale de l'Ouest. Donc, vous gardez la parole. Dans pile côté, vous pas changé. Et nous, juste partager, ça nous joint avec nous comme document. Mais, il y a des régions pas changé, c'est vraiment ce côté nègre frappé très bien. Oui, pas de trop de bagaille, puisque vous êtes capable de reprocher. Bah, on est. Alain Louis, dans le département de notre pays, ya. Pas de trop de bagaille, capable de reprocher Alain Louis. Ok? Pas un trop de détail ou capable de reprocher Alan lui qui était dans le poste. Et puis ingénieur Teresa qui était dans le poste dans le département nord-est pays d'Haïti.
pas vraiment trop changement. Nord-Ouest reste dans poste li, Singadeli, Nord-Ouest, Nord-Est, Centre et Atibon changé, Grand-Est changé, Nip changé, l'Ouest changé, Kibombadila, hein, Centre changé. Eh bien, c'est peut-être trois départements qui va changer. C'est trois départements qui va changer. OK. À ce soir, j'en ai annoncé là, nous allons parler avec Hidson Saint-Flair. Hidson Saint-Flair, il est directeur de communication dans le ministère de l'Éducation nationale. Nous allons parler avec lui sous et planification et cap fait pour rentrer des classes. Nous allons regarder qui ça et modalité ou même yoye pour parents qui gen ti moun dans l'école nationale yo qui sa modalité a li même lié pour capable bénéficier subvention que ministère d'éducation nationale promet dans ta rentrée des classes qui fixé pour 1er octobre k'ap vini là côté yo parler de plus de 200 000 familles plus de 5 milliards de goudes pour accompagner ensemble des parents qui gagnent 6 millions dans l'école nationale dans tout le pays. Ces chiffres, ça, nous allons regarder avec Hidson Saint-Flair, qui ça, programme dans lui-même lié, qui ça, un parent besoin, qui conditions, il doit remplir, qui conditions, il doit réunir, pour parents qui gagnent 6 millions dans l'école nationale, pour bénéficier de subvention, ça, l'État ici, à travers le ministère de l'Éducation nationale. Hidson Saint-Flair, bonsoir, merci, parce qu'on est avec nous dans l'émission Boukanté la parole. Bonsoir Valestin, moi salue vous, je salue Félicien Gabriel, moi salue également tes chers auditeurs qui branchent à ce âme bien content pour nous là, nous allons faire un petit bat de bouche ensemble. Oui, nous allons faire un petit boucanté ensemble dans l'émission Boucanté la parole. À soir, merci parce que vous êtes disponible pour nous. Jeudi à ce 30 août, l'école en temps normal en Haïti était ouvert le 9 septembre. Et le 9 septembre, si vous observez le calendrier scolaire là, mais le ministre de l'Éducation nationale là, on a parlé de professeur Antoine Augustin. Dans le moment période d'examen NS4, il était annoncé ce 1er octobre. Dans quel niveau nous y est? Bon, rentrer l'école là, c'est toujours un préparatif qui est assez lourd, mm-hmm. Parce que c'est deux périodes importantes, c'est-à-dire qui chevauchent ensemble. Donc, c'est donc une période qui c'est période de passation des examens d'État. Côté de plus de 200 000 timons pour 9e année, 186 000 et quelques pour le secondaire 4. Donc maintenant, nous sommes en phase très avancée pour correction. Et nous sommes en phase de saisie des notes également pour la 9e année. Et parallèlement à ça, il y a un autre gros chantier encore, c'est les préparatifs pour la rentrée scolaire. Donc la rentrée scolaire, c'est la rentrée à l'échelle nationale pour toutes les écoles du pays, les écoles publiques comme les écoles privées. Et les préparatifs, Jean-Ministre a annoncé ça, les préparatifs concernaient l'inauguration de plus de 17 écoles en majorité dans le Grand Sud, réhabilitation de plus d'une centaine d'écoles. Ces préparatifs qu'a fait pour la distribution des kits scolaires. Et ces préparatifs également qu'a fait avec ce programme de soutien financier qui ciblait 261 000 parents et quelques à l'échelle de 7 des 10 départements du pays. Mm-hmm. 17 l'école construite dans le département Nipéen n'a pas pour nous inaugurer. Plus passer une centaine qui réhabilité dans tout pays, il y en a pareil là pour rentrer des classes là. Est-ce que année ça tout bon et date 1er octobre là a privé respecté puisque en pile fois lorsque l'État lui-même lui a annoncé l'école pour tel mois, gagnent des mondes qui décidaient des propres grippes. Bon, on a fait l'école, mais c'est l'école nationale, yo, c'est lycée qui toujours souvent c'est l'école l'État qui toujours en retard. Bon, la date, c'est une date de l'État haïtien, du gouvernement haïtien, pour être plus précis, parce que faut nous dire toujours que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas qu'à fixer date de rentrée.
clé en clé. C'est-à-dire le ministère peut proposer une date, c'est le gouvernement qui décide, parce que la rentrée scolaire, c'est pas une activité qui concerne uniquement le ministère de l'Éducation nationale. Et il faut me rappeler, on va laisser dans le temps, et bagaille, nous disons ouais, à la date de la rentrée scolaire, on était toujours ouais, en plein côté à boucher tout notre. Oui. Et la date de la rentrée scolaire, la police toujours apprend des mesures de circulation. Est-ce qu'on prend des mesures qu'on même changer le sens de circulation, des mesures qu'on prend comme les poids lourds, contre les poids lourds, à qui le bruit est sorti, à qui le, etc., etc. Il y a des débours qu'il faut faire. Il faudrait que le ministère de l'économie et des finances rende au rendez-vous. Il faudrait que la police au rendez-vous. Et il faudrait que les autres partenaires, quand même, de la société civile, parce que quand on parle de la rentrée, c'est pas uniquement pour les écoles publiques, c'est également pour les écoles privées, et ce sont des partenaires de l'éducation nationale, ce sont des entités qui ont même été au service du pays via le fonctionnement de certains établissements scolaires et privé. Donc la rentrée concernait tout le monde, parce que la rentrée aussi c'est une sorte de réanimation de la vie économique. C'est plus timoun qui est dans la rue, c'est plus parents, donc plus timoun les dit que transport ou sur roi, plus monde, et plus timoun dans la rue, c'est plus machin qui a un petit bobo, qui a un petit surette, etc., qui a fait pâté. Plus timoun dans la rue, il y a plus activité pour les qui chante. Il y a plus d'activités pour les cabanes de l'eau, il y a plus d'activités pour les gens qui ont besoin de toile, qui ont besoin de livres, qui ont besoin de barrettes, qui ont besoin de... etc. etc. Donc l'école à reprendre, c'est l'économie du pays, nous capables de dire qu'il reprend dans une certaine mesure. Donc la date officiellement est fixée au lundi 1er octobre pour la rentrée officielle. Et nous connaissons la rentrée, il y a ce qu'on appelle la rentrée scolaire pour le 1er octobre, au 1er octobre, mais également il y a la rentrée administrative à partir de la deuxième semaine du mois de septembre. Rentrée administrative là, c'est côté enseignants ont commencé à reprendre avec les écoles, c'est côté gagner des sessions de formation quand même qui est organisée pour les enseignants, c'est côté Gonvay qui vient un petit peu beaucoup plus fort pour entrer l'école, pour l'information, pour préparer la rentrée scolaire. Donc tout ça, c'est durant le mois de septembre pour arriver au 1er octobre de 2024. Nous connaissons le ministère de l'Éducation nationale ou bien l'État haïtien, le gouvernement via le ministère de l'Éducation nationale apparaît pour accompagner parents qui ont des gens dans l'école l'État. Et si vous voulez l'école nationale, on dit l'école nationale pour ne pas dire l'État. Et puisque l'on dit l'État, nous sommes capables de mettre lycée ou bien école professionnelle. Tout, mais on accède nous sous l'école nationale, ça ne parlait primaire là sous le comme ça. Ils sont fait, on a parlé de 20 000 gouttes d'accompagnement, plus passer 200 000 par an concernés, et 5 milliards de gouttes pour nous faire ça. Qui sa condition, on par an, les doués réunis, qui sa obligation pour par an bénéficier de subvention ça? Bon, voilà, il s'agit d'une subvention du gouvernement haïtien à partir du trésor public et avec le soutien du Fonds monétaire international. Donc, c'est une opération qui était en cours l'année dernière que ce gouvernement a décidé de reprendre. Donc, pour cette année, public cible, c'est 261 000 par an à travers 7 départements. Et quand je dis 7 départements, on enlève dans la liste le département du Sud, on enlève le département des NIP et le département de la Grandasse. Après, ce sont les autres départements qui sont concernés. Bon, quand je dis les autres, on commence tout d'abord par l'Ouest, qui représente la moitié quand même de la clientèle scolaire à l'échelle nationale. Nous gagnons le centre, nous gagnons l'Artibonite, nous gagnons le sud-est.
et puis la région nord avec les trois départements, le nord, le nord-est et le nord-ouest. Mm-hmm. Donc parents ça y a, y a des petits monde dans l'école avant de venir parents ça y a, pourquoi sept départements? Bon, pour qui ça sert de département? Parce que j'en ai dit tout à l'heure, programme, non, c'est un programme qui est lancé à la fin de l'année 2022-2023. Uh-huh. Et à l'époque, il y a un constat que le gouvernement a été fait, c'est que il a remarqué gagner le focus qui te fait sur le Grand Sud. Donc on est dans la suite du tremblement de terre. Donc non seulement le gouvernement avait mis le paquet, mais également en pile organisation non gouvernementale, en pile institution internationale, eux-mêmes ils ont été mobilisés pour porter soutien by monde qui trouvait eux dans le Grand Sud. Donc jusqu'à présent, nous gagnons des partenaires internationaux qui développaient programme, même type de programme, ça cash transfert, qui destinait vers des parents. Et à l'époque, on avait fait la remarque que les autres départements, à cause de ce focus vers le Grand Sud, avec les autres départements, ils n'ont pas bénéficié de ce genre d'accompagnement financier. Et à l'époque aussi, on a eu les données sur la question de l'insécurité alimentaire. Et c'est un facteur que le gouvernement a priorisé pour aller vers ces écoles-là dans ces départements. Donc ça veut dire, programme ça, trois départements, l'État haïtien via financement BID, Banque Interaméricaine de Développement, trois départements ça, déjà... Non, c'est pas BID, c'est FMI. Alors, FMI, Fonds Monétaire International. Prison publique avec un soutien du Fonds Monétaire International. D'accord, merci. Trois départements ça, c'est-à-dire l'agent de l'État plus l'agent FMI. Oui, trois départements ça, pas concernés de l'agent de l'État avec FMI, mais il y a l'autre institution qui a accompagné pour monter trois départements ça, par un. Exactement, c'est exactement. Ça. Je ne voudrais pas citer, mais il y en a, et mon qui n'a pas besoin de connaître. Donc, 261 000 par an, c'est pour sept départements, nous capables de citer, s'il vous plaît. Bon, les sept départements concernés, c'est l'Ouest, qui gagne moitié des effectifs scolaires là à l'échelle nationale. Après l'Ouest, on a l'Artibonite, on a le Centre, on a le Sud-Est, et puis les trois départements constituant la région Nord, il y a le Nord, le Nord-Est et le Nord-Ouest. Donc, pour un monde capable de gagner accès à cet accompagnement financier, qui visait à la fois les écoles nationales et les écoles communales. Donc il faut rappeler dans ces sept départements, il y a 1623 écoles nationales et communales qui sont ciblées. Okay? Dans ces sept départements, 1623 écoles nationales et communales. Donc on parle qui venait libre aller dans la direction de l'école national ou communal, ça, parce que ce que le ministère a fait cette année, nous distribuer des formulaires qu'a joint par an yo via les directions d'école. Donc, nous avons l'école là, la plus remplie formulaire là avec information sous les mêmes comme parents. Nous va dire maman, papa, petit, non, nous dit parents. Il faut bien clair dans la tête, nous, là, bas information sous les mêmes. Alors, bien clair dans la tête, ou décantation maman avec parents. Oui, maman et parents, quand je dis maman et parents, moi-même, moi c'est mon Lagonave, par exemple, qui doit travailler pour Port-au-Prince, et puis mon petit monde, c'est dans ma tante, moi, lié Lagonave. Ok. Donc, c'est ma tante là qui fait office de parents, parce que c'est lui qui a l'inscrit, Timon, dans l'école. Là, si des réunions, c'est lui-même qui peut aller, c'est lui-même qui peut accompagner Timon. Ok, ça qu'elle nous va dire maman, papa, petit, nous dit parents. Ok, donc on y a parents à bail information, là on a pris les formulaires là, et puis là choisi qui méthode livrer ou recevoir l'argent. Il y a deux méthodes, une méthode de cash transfert, donc mon enfant il gagne un compte mon cash ou bien notre cash qui est fonctionnel et qui capable recevoir ce montant parce que c'est d'un coup il y a 20 000 gouttes de la balle ou du moins la bail et un numéro compte en banque il a souhaité au fond virement bancaire pour lui pour envoyer l'argent. Donc il faut qu'on aille
aller dans la direction de l'école, non seulement il y a une pièce d'identité pour identifier c'est monsieur X, c'est pas monsieur Y qui vient parler dans le nom X, ou bien c'est pas madame B qui vient parler dans le nom madame A, et puis il a fait copie pièce ça. A dit si, par exemple, Livini, c'est avec passeport lui, il faut lui copier première page passeport. S'il vient avec carte d'identification nationale, il faut lui venir avec copie carte d'identification nationale. Li. Et également, s'il veut son virement bancaire, il faut lui venir avec une ancienne fiche côté de qu'on fait dépôt sur banque. Parce qu'on connaît qu'on y a, dans le temps, c'était pas le cas, mais maintenant, l'homme, on a le fond dépôt la banque. Banque là, tout est primé et tout. Informations concernant détenteur de compte. Donc, toutes ces deux façons pour que nous puissions vérifier également, on a affaire avec la personne qui est véritablement concernée dans le cadre de cette affaire. OK. Processus d'inscription, il est lancé déjà? Oui, il est lancé à l'échelle des sept départements concernés. Et direction départementale, yo te gagné une condition pour multiplier les exemples de ces formulaires. Gagné une rencontre qui fait avec les inspecteurs des zones, parce qu'un directeur départemental n'est pas en proximité avec un directeur de l'école, mais inspecteur lui-même est en proximité avec le directeur de l'école là. Donc nous gagnons jusqu'à la semaine prochaine, donc la première semaine du mois de septembre, pour nous capables de ramasser collecter tout formulaire ça et traiter données, parce que pourquoi je dis traiter données, d'accord, on va laisser, c'est que il y a des monde dans l'expérience que nous faisons l'année dernière. Par exemple, un monde libère non irélé et qu'on est Pierre André, par exemple. Et puis les mounes font mon cas, je vais mettre le petit Pierre. Donc un monde qui baille pièce identité comme Pierre. Puis mon cachot c'est Tipier, on peut faire transfert pour vous. Parce qu'il n'y a pas de Tipier dans ton état civil. Oui, oui. Ou du moins, des gens qui nous zone, par exemple, ils baillent dans un quartier et pour avoir 5 parents qui ont un seul numéro de téléphone. Ça va faire problème parce qu'il faut qu'il y ait un numéro de téléphone unique pour chaque. Bénéficiaires, c'est des bails qu'on s'est privé et des fois et des fautes d'orthographe ou du moins pas des absences, ils ont un numéro de téléphone ou un téléphone a des plus chiffres que ça on a doit gagner, etc. Donc voilà pourquoi il faut traiter et ces données et ça que nous demandons, il faut faire accompagner, il faut accompagner formulaire avec un pièce d'identité parce que s'il faut revenir sur ces données. Et le ministère de l'Éducation nationale doit être collé avec FAES parce que c'est FAES. Donc, il y a quand même un élément qui souge qui facilite au fait avec ça. On activité que ça va mériter une campagne de sensibilisation ou penser n'a privé de toucher, n'a privé atteindre l'objectif nous, sensibiliser tous les parents pour comprendre pour qu'on programme là? Bon, je pense que on a confiance parce que je disais c'est 261 000 parents qui sont ciblés. Nous gantons gain information qui pour traiter sur 159 783 parents. Donc nous traiter pour nous compléter avec près de 100 000 parents. Okay, 100 000 parents, c'est ça que nous rebaillons, formuler ça, pour nous voir si nous sommes capables de retrouver 100 000 parents, ça, non, tant encore. Mais déjà, nous gantons des données, qui là pour traitement pour 159 783 parents, et avec le centre d'appel, que nous mettez sous pied, parce que, bon, pas nous mettez sous pied, le ministère, lui-même, il y a un centre d'appel qui est toujours fonctionnel via ces numéros. Bon, si vous prenez même reprendre le numéro, ça, je peux. Allez, donc c'est 44 68 43 75. 44 68 43 75. Et puis on a 31 26 75 19. 31 26 75 19. Donc si au monde, par exemple, t'es au monde la ligne de part des émissions, sont l'autre monde qui t'étendait, ou l'autre monde qui fait l'appel, etc. Non seulement les bénéficiaires, ils sont capables de recours aux inspecteurs de zone, ils sont capables de recours aux directeurs d'école, parce que c'est dans la direction de l'école là où il y a le formulaire. Les au fin rempli, c'est là. Et il y a pour mettre formulaire, hein. Mais également il y a le centre d'appel qui est à la disposition. Disposition pour bailler conseil, pour expliquer mieux et davantage, mais également disposition pour que pour signaler les cas de tentative de fraude. Parce qu'il est question d'argent.
et parfois les tentations sont fortes et nombreuses. Donc si on monde garder un bagage qui a mal fait quelque part non l'école etc des tentatives des chantages etc donc la personne peut appeler dans ces deux numéros là et donner ces informations parce que nous voulons que bagage ait fait normalement mais nous voulons que les fait tout avec toute sa la crédibilité. Crédibilité. Et ça fait nous miser, par exemple, sur l'éthique de tout le monde qui est impliqué dans le processus. Ça nous miser sur l'éthique des directeurs d'école, nous miser sur l'éthique des inspecteurs de zone, nous miser également sur l'éthique des parents pour que ben, elle soit capable de bien dérouler, pour l'opération capable de bien dérouler et tout le monde qui t'a doué joindre soutien, accompagnement financier. Ça, c'est eux-mêmes qui joignent dans le cadre de la rentrée scolaire. Nous allons finir, Hudson Saint-Flair, où dit l'opération ça a commencé depuis semaine ça, la bout de semaine prochaine, nous, pas de date précise. Bon, et on a eu une réunion d'évaluation cet après-midi. L'aime de réunion d'évaluation, c'est par rapport à cette opération de collecte de formation sur les parents. Et j'aurais mis de là, donc à partir de la première, disons la deuxième semaine de septembre, donc nous t'adouer, boucler ça et commencer véritablement avec versement transféré, envoi transféré aux parents. Parce que il y a déjà 100, 159 000 qui sont en traitement. Donc, une fois qu'ils sont traités, si vous voyez, vous voyez donner aux les partenaires qui sont impliqués, les compagnies de téléphonie mobile, et puis pour transférer à faire. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas le temps de nous gagner 261 000 là, pour tout commencer à faire transfert là. Donc, son opération qui gagne des étapes de développement parallèle. OK. Donc on a un premier groupe de parents. Donc on a traité données ça. Donc assurément parents ça a besoin de chocho avant et puis reste données qu'a venir on a collecté et traité. Donc alors 159 000 avec des étapes très engagées. 159 000 parents inscrits, c'est pour tout pays pour 7 départements concernés. Oui, c'est sûr. C'est 159 000 SAOS, 159 783 pour toujours dans les 7 départements, parce qu'on ne va pas sortir des 7 départements. C'est toujours dans les 7 départements. Merci. Donc maintenant, nous baillons formulaire pour nous capables de compléter et où est-ce que nous avons ramassé, recueillir données pour près d'une centaine de milliers de parents. Merci un pile, Hudson Saint-Flair. C'est un plaisir de vous débattre. Merci. Merci, Valessé. Merci beaucoup. Merci pour écouter nous. Et n'a pas rappelé, avec ta permission encore, les deux numéros du centre d'appel 44-68-43-75-31-26-75-19 et parents qui intéressés, je dis les parents qui sont intéressés, ils sont capables d'aller dans l'école nationale qui est près de vous, pas près de côté où il y a Timounio. Voilà, côté où il y a Timounio, pour être capable de prendre information. Et pour ma dernière information, le soutien est adressé aux parents. C'est-à-dire, au monde qui a 5 Timounio dans l'école, on ne va pas donner le 5 fois du soutien. Ok? Nous avons besoin de vérifier qu'il y a Timounio dans l'école là. Information, ça est important pour nous, mais ça va vouloir dire soit long l'école nationale, je ne sais pas, Charlotte et Macardieu, ou bien 5 Timoun, on va faire le 7 fois 20 000 gouttes là, non. Ok? Donc, c'est nous besoin de. C'est 5 Timoun, subvention, c'est 20 000 gouttes pour 5 Timoun. 20 000 gouttes aux parents qui ont Timoun dans l'école là. Oui, d'aller. En plus à l'aise. Si on parle de 5 timoun dans l'école nationale, il va payer 5 fois 20 000 gouttes, il va payer 20 000 gouttes. Non, 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 non. 20 000 gouttes, 20 000 gouttes. Si tu es tout, c'est 20 000 gouttes. Ou bien 100, il va payer 20 000 gouttes. Ou bien 100, il va payer 20 000 gouttes. Voilà. Assurance, il y a besoin qu'ils connaissent tout simplement son bon timoun dans l'école. Par exemple, il doit décider de faire l'information sur 5 timoun. Bon, à la rigueur, on va rentrer qu'ils doivent remplir 5 formulaires. Mais on va attacher ensemble les 5 formulaires. Mais on va donner 20 000 gouttes. Je donne une dernière précision. Par exemple, on monte qu'ils doivent avoir 2 timons dans l'école, par exemple. Ou dans l'école nationale, on est X, Y ou bientôt Mamadio, ou bien 2 timons.
Donc, il y a, on a rempli deux formulaires à la rigueur, si on veut, mais on va te donner les 20 000 gouttes. Mais si on te donne 20 000 gouttes, par exemple, on a Thomas qui est dans l'école là, ou il y a André qui est dans l'école là. Mais si Thomas, par exemple, on a fait bon, comme il y a un uniforme, il y a un à supposer qu'on peut acheter un soulier pour Thomas. Mais André, t'es gain soulier. Même quand c'est André qui est dans l'école, ça, t'es pas lui. Mais c'est pas pour André ou Bali, c'est parrain ou Bali. Parrain qui a décidé l'acheter soulier pour Pierre, l'acheter soulier pour Jeanne, il suffit que ça aide le nan préparé rentrer l'école. Donc ça veut dire, on parrain qui a 10 timons dans l'école nationale, préfère l'inscrire pour yon simplement. Il va besoin de 10 000 gouttes. Non, c'est 20 000 gouttes. On ne va pas donner 10 fois 20 000 gouttes. Merci, Rampi Litson de Saint-Flair. N'a pas problème, c'est directeur de communication, ministre de l'Éducation. Merci, bon travail. Et nous saluer tout auditeur. Et nous pensons que par ailleurs, l'information est arrivée sur vous. Et puis, on va faire diligence pour que vous rempliez au plus vite le formulaire à travers les directions des écoles nationales et communales. Merci beaucoup. Bon travail. Bon travail. Voilà, on a parlé avec Itson Saint-Flair. Lui, c'est directeur communication dans le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons parlé avec lui là sous question de subvention scolaire que le gouvernement haïtien, en tête collée avec FMI, Fonds monétaire international, décidé d'accompagner 7 départements d'un pays. Et c'est pour 1623 écoles nationales. Il a cherché, 23 écoles communales et nationales. Il a cherché 261 000 parents. Et déjà, selon Itson Saint-Flair, il y a 159 000 parents qui ont besoin pour finaliser l'issue. Et déjà, il a traité sous 159 000 qui sont disponibles, qui sont inscrits déjà. Et l'éclair, même sous des gains, 1 million de timoun dans l'école nationale, ou a bénéficié 20 000 gouttes seulement. Et même sous des gains, 261 000 timoun dans l'école nationale, comme parents, ou a bénéficié seulement 20 000 gouttes, ça veut dire, et c'est éviter ça, ou même gain 2-3 timoun dans l'école nationale, ou bien dans l'école communale. On essaye d'abord, nous inscrire pour un timoun. Ouais, ben, ajouter l'autre yo, comme si pour nous barrer sous 261 000 là, c'est est-ce qu'il y a pour nous estimer c'est 261 000 par an. Donc l'on inscrit 10 et Timoun ou pas 10 par an, son seul par an ou tout jouer, ok, son seul par an ou tout jouer dans espace là font façon pour nous faciliter l'autre monde bénéficier activité ça. Sans transition, est-ce que n'a pas rentré avec son habitué, hein, dans son habitué, n'a fait sans transition, puisque oui, j'ai pas un problème, n'a fait sans transition. Voilà avec Valéné, journaliste, commentateur politique dans Scoop FM, qui est avec mon studio, dans l'émission Boucanter la parole. Lisenek Saint-Michel de la Talaï, qui je dis à une revendication juste, la potée, et je dois mettre le sous-dôme tout. Comme nèg qui sorti dans le département nord pays, il doit mettre sous Saint-Raphaël, don jusqu'à Barrière Batan, mais nous connaissons sa réalité à lui-même lié. Mais je dis à qui si on gagne dans le pays, fait un monde qui prend le nord-ouest, un monde qui prend le Gonaïve, l'obligé de passer par Saint-Raphaël, l'obligé de passer parmi les riches tout le monde, jusqu'à ce qu'il arrive. Pillon, Saint-Raphaël pour rentrer Saint-Michel et la Talaï. Et je dis à gang, et ne pas souhaiter ça, gang pour occuper tronçon route, ça nous cité là, mais occuper route nationale numéro 1. Mais la grande préoccupation que Val Ené a adressé à ministre Travaux publics là, Raphaël Osti, la grande préoccupation c'est état lamentable, état critique tronçon Saint-Raphaël. Alors, Saint-Raphaël, Saint-Michel de la Talaï, Saint-Michel de la Talaï, Gonaïve, Marchand de Saline. Valérie, bonsoir, son plaisir pour avec nous, nous bouquons de la parole. Bonsoir Valistin, bonsoir à tous les techniciens, metteurs en ordre, PDG Radio Mega. Moi salue un guerrier, moi salue tout auditeur, émission Sato, internaute, puisque je connais.
et yo en pile moins et salut tout alors spécialement hein et tout le monde Saint-Michel qui attendait mon dans nord-ouest en bonne partie dans Tibonite c'est vrai que Saint-Michel ils sont communes qui fait partie du département Tibonite même on vous samedi en bonne partie dans Tibonite parce que jodi à là ensemble de monde en pile monde dans le département Tibonite traversé on parle nous venons parler de là et madame Nitland de Rius Pierre dit me salut pour lui moi salut la capitaine de son monde Tibonite spécialement Gonaïve capitaine de radio et moi salut mon de manière spéciale mon Henry mon qui dans Tibonite mais nous salut moi salut mon la famille Celi bon hein? James mon va jamais rater pour ça et James salut James non bon, c'est la famille Gerdin Celi oui et Woody voilà et écoute c'est parce que justement c'est moun sa yo comme si qui fréquente davantage route là et ça fait nous saluer spécialement mais nous saluer tout pays parce que ça a privé là Ismaël Valister donc son situation côté que Jean Sodil là contexte là fait que pays a nos situations que obligé passer sous route Saint-Michel. Alors Saint-Raphaël, Saint-Raphaël Henry et j'aime de évoquer le déjà et dans correspondance metté pour bail ministre que li vont on lettre responsable pour dire que li touché de situation que me présenter là c'est que et état route là li critique parce que justement chaussée qu'il a ou qui était faite là et il pas de faite pour recevoir tout ça et ça. Donc en fait, mais nous venons là après-midi, c'est pas pour ça encore, parce que déjà, le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Osti Raphaël. Mais c'est touché, important quand même. Il est touché, c'est très c'est important. Moi, je viens là pour me dire de. Alors, on sait. Alors, sous correspondance responsive là, je viens là pour me dire, premièrement, moi, bah, le ministre là, on t'y félicitations. C'est la première chose. Et au nom de Moun Saint-Michel, de Moun Saint-Raphaël, de Moun Henry, de Moun Nord-Ouest, de Moun Atiboni, donc parti dans l'Ouest qui passait sur route là. Moun Kabay, Moun Araï, ça veut dire qu'il fréquente très souvent. Ça veut dire qu'il y a Moun qui soutient dans l'Ouest. Mais bien sûr, qui passe par Saint-Michel là. Kabaret, Akaye, qui pas qu'à passer, pas qu'à Daran. C'est là où passe, chef là. Mon camion, c'est là où passer. Donc ça veut dire que c'est pour ces pays qui traversent. Donc en fait, moi je dis, on pour qui ça dit félicitations, moi je dis félicitations, parce que justement, Ismaël Valistin, ou même comme commentateur politique, comme un fin observateur, ou qu'on est au même site que moi-même. Haïti, c'est pas côté. Ou joindre avec facilité le dirigeant qui mettait à l'écoute de la population. C'est clair. Donc, puisque je dis, peut-être qu'il y en a un monde qui montre que les soucis de sa population, comme situation, tracas, chauffeur fait 2 semaines, pas à traverser, il y a collé dans la boue, bien a perdu, vie mon en danger, moto en difficulté, piéton en difficulté. Nous baïti félicitations parce que pour moi-même monsieur ministre Raphaël aussi montrer les certaines attitudes d'un homme d'état parce qu'un homme d'état c'est quelqu'un qui se met à l'écoute des autres bien sûr de la population c'est quelqu'un qui paraît être solidaire c'est quelqu'un qui est empathique c'est quelqu'un qui a le sens de la gestion de la chose publique. Parce que Fonda Konsousari, ça fait une dimension de si félicitations. Parce que la population, pour qu'on joue une satisfaction, c'est le premier bagaille. Nous féliciter le ministre pour ça. Deuxième bagaille, c'est dans la lettre responsive, ministre Vouya, pour nous dire que la population, pays a pris acte. Et il y a des bagailles ici, c'est bien ce qu'ils ont dynamique. Réalisme politique, on est d'accord avec. Ministre dit que par rapport à contrainte budgétaire, il va le faire en action ponctuelle. N'importe qui gagne le sens de l'État, qui comprend le fonctionnement de l'État,
ou pas qu'à dire le contraire parce qu'on est obligé d'accord avec le ministre là. Ouais. Parce que nous exercice qui il va le finir non moi. Voilà. Et son situation qui vient au cours de l'exercice, ministre à peine rentré dans le gouvernement, sa portée politique en matière d'infrastructure routière, communication pour le gouvernement, ça fait normal. Et avec le surcroît en budget rectifié, il n'y a pas de donc, c'est ça qui fait Napton, justement, que le ministre lui fait intervention ponctuelle, ça, qui pour permettre à ce que Mounio, provisoirement, Ismaël Valistin, provisoirement, capable de passer avec une certaine aisance, une certaine facilité. Moi, je dis provisoirement parce que, et ce qu'elle mentionnait tout, dans la correspondance responsive, là, il dit, ce soit pas le tout. Même Jean, mon Saint-Michel Vlil, mon Nord-Ouest Vlil, reste mon Artibonite Vlil, Saint-Raphaël Henry Vlil, pour que yo, ce soit pas ministère à tout lui-même, sous leadership li, pour construire une route qui répond à l'exigence moderne de transport dans la région, mais pas de l'argent. Donc nous-mêmes, nous prenons acte, nous attendons que le ministre lui-même lui fait intervention ponctuelle là, en attendant. Nous nous passons. Mais ça, justement, et rapidement, et Ismaël et l'autre bar m'a penché pour me dire, population a tant l'intervention ponctuelle là. Mais ça demande un ministre. Au nom de la population, dans le budget, dans le nouvel exercice 2024-2025, là, et c'est pas seulement ministre. Nous demandons, c'est parce que c'est lui-même qui portait politique dans ce secteur ça. Oui. Mais que lycée premier ministre Gary Kouning, que lycée même CPTO, que yo dit tête yo, tronçon route ça, c'est la priorité des priorités. Pour que justement, yo alloué une enveloppe budgétaire pour que route là li fait convenablement. Et comme t'es mentionné dans l'intervention, moi t'ai fait récemment, yo, il n'y a pas que ce tronçon de route. C'est Raphaël Henry ou c'est Raphaël Saint-Michel, Saint-Michel Henry. Mais il y a aussi tronçon route marchand des Salines Saint-Michel qui est très fréquenté aujourd'hui là, avec contexte ça. Donc ça veut dire nous même ça n'attend. Oui, l'intervention ponctuelle, nous d'accord parce que effectivement, bon problème budget parce qu'ils nous ont fait exercice. Encore une fois, n'importe qui a le sens de l'État qui comprend comment l'État fonctionne, obligé de mettre tout d'accord. Mais ça l'a demandé donc à gouvernement dans sa globalité ou bien pouvoir exécutif là dans globalité, eh bien que dossier a yo fait aux priorités puis au porter le conseil des ministres pour que justement gon ligne budgétaire qui réservé pour ça pour gon route définitive et moi dis pour ça Ismaël Valissem. En Haïti il y a cette tendance comme si de gestion des affaires de l'État nos dynamiques de pompiers nos dynamiques de provisoire route yo c'est les interventions ponctuelles on doit faire route là pas fait un an même pas route par exemple pour son route Saint-Michel pour son route Saint-Raphaël Henry. Ministre, d'accord, par rapport à exigence. Saint-Raphaël Henry. Oui, Saint-Raphaël Henry, Saint-Raphaël, Saint-Michel, Saint-Michel Henry. On dit que au fin fond une intervention ponctuelle. Il y a mobilisé ressources humaines, il y a payé. Il y a mobilisé matériel, gravier, sable, il y a mobilisé matériel l'État, faut mettre gaz. Après 6 mois, ou ka ouais. Tout dépend de qualité du travail là. Ils ont demandé pour faire l'autre intervention. Ils ne pas le dépenser même quand c'était comme là. 6 mois encore, vous faites l'autre intervention ponctuelle. Ils ne pas le dépenser même comme là. Est-ce qu'on connaît, si comme si tu as des réflexions, Ismaël Valistin, dans une dynamique de durabilité, dans une dynamique de gestion rationnelle des biens de l'État, des ressources de l'État, ils ont été capables, ils dit tête, ils ont fait tronçon route sa priorité. Yo investi en quantité comme ça comme si intervention ponctuelle yo mettez ensemble yo font route pour 30 ans. Ah oui. Non. Là. Par contre non. Yo font route pour 30 ans. Et ça permet m'a fini ça c'est ça jodi. Moi même penser que gouvernement ça Gary Kouning, premier ministre Gary Kouning, même CPTO on fait le comme ça, ça veut dire on pense l'État de manière grande, de manière global dans une dynamique de durabilité. Et le ça, ou après, dans 5, 10, 15, 20 ans, où est côté l'État pour aller.
Il y a des infrastructures, des institutions qui permettent que l'État y respecte le principe qui caractérise c'est le principe de la continuité, de la durabilité, de la permanence. Au ministre, heureusement, pas d'abord, j'aimerais répondre non. C'est quand même c'est quelque mais chose. Mais c'est ça que ça me félicite. Alors, peut-être que je dis pas plein. Ou écrit ou répond non. Yeah. Li dit ou li pap kab ba ou la an or, mais quand même la font passer mais en attendant pour faciliter c'est ça relé ponctuel là. Yeah. Mais quand, avant dans lettre responsive là, on pas compte signe date là-dedans, mais essayer d'écrire réalité ou tronçon route Saint-Michel le Lata, là il gonaïve et une rime marchand de Saline pour nous. Alors écoutez. Et dans correspondance responsive là c'est Jodia. Moi, écrit ministre, avec diligence, oui, justement. Oui. Moi, adressé correspondance, moi, t'ai fait état de route là, lundi. Oui, lundi. C'était combien de date? 26. Ministre répond rapide. C'est ça que fait une petite félicitation. Oui. C'est montrer que c'est quelqu'un qui est semé à l'écoute de la population. Oui. Écoutez, frère. Sont en route qui n'ont situation. Si tu as un vocabulaire qui puisse approprier que critique, nous t'apprenons. Parce que c'est bon de ça qui passe. Chauffeur machine, malheureusement, nous pas là le support de l'image pour ta montre. Ça, je suis capable de dire. Le moins que je suis capable de dire. Il y a un chauffeur qu'on a abdomi Saint-Michel fait 2 semaines. Fait 2 semaines, Ismaël Valistin. Il n'a pas traversé. Il n'a pas traversé parce que tellement la boue a comme si l'immauvais. Sous ta vraie dire comme ça, machine immobilisée, pas de espace qui vous permet que l'autre machine passe. Et moi, je dis, c'est un fait, ou t'as qu'à dire c'est la vérité absolue. Dans une minute, je vais parler avant la même piéton. Piéton, mon cher ami, piéton dans une situation pas qu'à passer. Radio Omega. Motard, chauffeur motocyclette dans une situation difficile. Ça veut dire, route là tellement dans une situation critique. Mais vraiment, vraiment, vraiment dans une critique. Vraiment, nous avons critique. Donc, ça veut dire, si tu as un support, image là, va laisser, nous avons montré le livre d'après. Ça veut dire, les machines, nous avons une machine qu'on a fait 2 semaines. Chauffeur machine, qu'on a fait 2 semaines, pas qu'à traverser. Et, dans le jour là, on a dit ça qui passe, c'est son matériel, lui, il mettait pour aller machine. Ça veut dire, c'est mon matériel là, bon, c'est pas domaine, pas qu'on a qui matériel qui a aller machine, mais son matériel, lui, que l'État utilisait provisoirement pour râler justement machine dans la boue. Mais son route qui est vraiment critique. Si je n'ai pas besoin de moi, je suis monté en difficulté, piéton en difficulté. Ouais, je dis à Ismaël Valistin, si vous allez, ouvrez, allez, vous passez par Saint-Michel, moto que moto là, on oblige tous ces pantalons pour rentrer dans la boue. Situation, critique, extrêmement critique. Opération ponctuelle là, qui date de la démarrer. Ah bon, encore une fois, félicité, ministre, à travers. Sa direction départementale. Il a fait changer là. Et qui ça? Il a changé de direction. Il a mis ton assistant. Oui, il a mis ton assistant. Oui. Donc ça veut dire Enol de Saint-Ville toujours là. Oui. Maintenant, écoutez, moi félicite parce que justement, ne mets pas la voix là. Commencez à gagner gravier et à stocker. Ok. Commencez à gagner gravier et à stocker pour faire intervention ponctuelle là. Moi-même, ça m'a souhaité encore une fois, puisque c'est une intervention ponctuelle, puisque dans le prochain exercice là, tant que nous là, nous souhaitons que Dr. Gary Koni fait son route ça, priorité des priorités. CPTA, bon, tous les deux font partie du même pouvoir. Le pouvoir exécutif, pas le pouvoir législatif, fait son route là et comme priorité, mettez l'agenda comme priorité des priorités pour gagner une enveloppe qui a loué avec elle. Et puis au fond, route définitive. Et puis on dit ça, on fait ça pour 30 ans. Pas d'intervention ponctuelle encore. Quand il y a un problème, il y a un grand nombre, et Saint-Raphaël, Don, etc. Et on fait même bagaille là. Ils disent, bon, on nous fait ça après, priorité des priorités. Ils font pour 30 ans. Et je pense que c'est comme ça que vous pensez l'État. C'est comme ça que vous pensez l'État, puis vous pensez l'État. Et même institution, on dit, on va mettre une institution pour 50 ans. On dit, on va faire les infrastructures routières pour 50 ans. Pour 50, 100 ans. Mais comme c'est route, t'as de toute façon obligation pour et boucher de citrou, etc. Mais on dit, on va mettre des infrastructures sanitaires. Saint-Michel actuellement n'a pas de l'hôpital de référence. Et mais dit, t'es tout, on va mettre un hôpital de référence qui est capable de servir la région. Robin? Et là, ça a interpellé, ça doit interpeller tout, en fait, autorité. Justement, parce que je dis là, c'est ça que je me dis, dans l'être, mettez-vous, il va y avoir ministre, moi, je dis que
que me copier et la primature, si me copier la présidence à travers les membres du CPT. Moi dire écoutez son en route qui menace la vie, qui fait un pile bien perdu effectivement parce que pendant en route là, s'il vous plaît, on Saint-Michel bagne l'hôpital. Si on cap sorti Saint-Michel, c'est pillon, c'est un chial là l'hôpital. Et mais elle va pas passer mon dans mourir. Majorité mon qui accouché Saint-Michel malheureusement. C'est dur de le dire, mais c'est une vérité justement. Majorité mon qui a accouché Saint-Michel, c'est pillon. C'est hench. Josia là avec route là. Si grand monde ce que me pas souhaité arriver parce que grand mettre la protéger a fait ça va arriver. Si grand monde qui a souhaité Saint-Michel pour traverser, il pas capable. Il pas capable. Il risque mourir. En tout cas, merci Valéné. Parce que le ministre là répond nous. On a besoin de travailler, même de commencer. Et j'en dis là, on a fait un travail pour l'avenir. On a besoin de travailler, on a besoin d'intervention ponctuelle là. Parce que le ministre n'a pas l'autre choix. Ils sont urgence. Moi, comprends l'urgence ça. Mais sa population a besoin de même ministre. Alors, le pays a tout. C'est le ministre de la République, pays. C'est Michel. Non, mais ça veut dire oui. Mais ça veut dire pour finir. C'est que l'homme dit pays, parce que je dis, c'est tout pays qui a traversé là, à cause du contexte canarien, etc. qu'on est déjà. Napton, et c'est ça, Napton. Napton, pour que dans le nouvel exercice là, il fait son route ça, priorité des priorités, pour mettre corps pour faire route définitive pour 50 ans. Et puis après ça, pas une intervention ponctuelle sur ça, nous dit bon. Et puis on prend ensemble de là, sortant de là, il y a une possibilité pour Saint-Michel faire business, Clair Saint-Michel, Mounal cherche avec facilité, et Mango gagne Saint-Michel, tout ça gagne, on prend ensemble de là, parce que route égale développement. Déjà en fait, Ismaël Valiste, merci. Toute facilité à tout le monde. Conditions de sécurité n'ont pas réuni, pas besoin de facilité, pas obligé de passer parmi balais, un chef pour me tomber, pour m'aller Saint-Michel, le Latalaï. Non mais. Mal dans nord-ouest. Mais bon, nous avons bagay. C'est ça, oui. C'est ça que fait nous. Tout à l'heure, moi, je pensais que occupant l'État, dirigeant de l'État en Haïti, les occupants de l'État, parce que en gouvernement, son gouvernement, il est caractérisé par sa. Par son aspect passager. Oui. Ouais, le régime est provisoire, l'État est permanent. Vous occupez le président. Bon, en tout cas, dirigeant de l'État, il faut penser qu'il y a un autre genre. Même infrastructure, sécurité. De sécurité que nous avons mis, en dit tête nous, nous avons fait la police jam, nous avons fait l'armée jam, nous avons fait des commissariats jam, et bien nous faisons pour 50 ans pour garantir la permanence de l'État. On continue à gérer la ponctualité. Michel, merci à Pile Valéné. D'accord, merci à Pile. Est-ce que nous devons poser là pour c'est mon radio seulement à recevoir la soirée, ça veut dire, et mon radio seulement à parler avec la soirée. Est-ce que nous devons prendre pause là? En tout cas, sans transition, on recevra Israël, Jackie Cantave, IJC, journaliste dans les coulisses du pouvoir. Israël Jacques Cantave, bonsoir. Un plaisir pour moi avec nous pour canter là-bas. Bonsoir Ismaël. Bonsoir. Parce que moi, avant de passer le même nom. Marcel Joseph. Moi, c'est Israël ou c'est Ismaël. Ismaël. Oui. Bonsoir Marcel. Bonsoir à tous les auditeurs, auditrices Radio A. Oui, méga. Je suis content. Bah, oui, Radio A. Radio A. Oui. Ce que nous dit, c'est Lick Radio. Oui. Pour référence. Pour Radio A. Ah oui, c'est pour Radio A. Moi, vraiment, je salue nous et puis je salue gros tonton garçon qui met Radio A à camper. Oui. Et monsieur, c'est promotion, moi. C'est un examen, moi. Ok. Donc, nous t'es croisé dernièrement Florida. Donc, moi, je pensais que, à ce soir, nous pourrions parler justement d'un journaliste qui était dans les coulisses du pouvoir et qui a dit, ça le connaît, ça le t'étendait, ça le t'étouait, qui j'en le comprenne. Et leader, yo, dirigeant, yo, qui vision li ouais, yo te gagné. Donc, c'est ça. Alors, journaliste dans coulisses pouvoir, c'est ou faire un pile pouvoir déjà, ou parler de Michel Martelly, ou parler de Gary Conny, ou parler de Evans Paul, ou parler de Claude Joseph. Et dernière séquence où il y a roulé là, pendant toute journée, on parlait de trahison et de Gary Baudot qui shootait ou soulevait comme ça dans Primati pour prendre un poste. Pour qui ça, une telle décision, Israël Jacques Cantave décidait à parler. Ça le vive dans le couloir pouvoir. Ronnie Gillot, défunt, écrit au gré de la mémoire.
il fait ça chaque fois qu'il souhaite faire une expérience dans un pouvoir. Rony Gillot, c'est un faiseur d'hommes, ici. Moi, je n'ai pas un talent, Rony Gillot, parce que je n'ai pas qu'à écrire. On livre d'un coup au gré de la mémoire. Yo, ça me fait, je suis journaliste. Travail, moi, c'est 20 ans que je me fais dans Radio Caraïbes comme journaliste, à la fois dans la radio et dans la télévision. Moi, j'ai décidé de raconter 11 ans ça dans une série. Série A, c'est comme une série Netflix. Moi, j'ai une série qui gagne 3 saisons là-dedans. Chaque saison gagne 12 épisodes. Radio Omega. Jodia, nous avons 8e épisode. Et 8e épisode là, évidemment, thème là, c'est un Gary peut en cacher un autre. Et là, m'a parlé de deux Gary, Gary Bodo et Gary Conny. Gary Conny qui était premier ministre, moi-même qui était conseiller en communication premier ministre, hein, et qui t'a cherché Gary Zamim, Gary Bodo, mené par premier ministre hein, Gary Conny. Et en faisant ça, j'ai signé mon arrêt de mort. Alors, vous parlez de nous dans 8e série, hein, 8e épisode. 8e épisode. C'est pas une série. Oui, oui, merci. Série a gain 3 saisons. Oui, oui, oui. Là nous dans saison 1 et nous dans 8e épisode. Nous dans 8e épisode, mais avant de venir dans Gary Bodo, vous parlez des scandales dans les médias. Scandale dans les médias, c'était dans épisode 4. On t'a parlé de la brouille avec Caraïbes. Tout le monde te connaît que moi t'es dans Caraïbes et c'est là que je passais 20 années comme journaliste de 1997 à 2013-2014. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, il y avait les élections présidentielles côté qu'on est. En décembre 2010, résultat élection de Gbaye, Mionan Maniga avec Michel Martelly. C'est prêt dans le deuxième tour, dans le mois de mars. Moi-même, moi j'étais journaliste dans Radio Caraïbes, j'ai fait une édition de nouvelles. Une édition de nouvelles qui est le 19-20. Et dans l'édition de nouvelles, ça, moi, j'ai fait une édition de nouvelles équilibrée comme toute édition de nouvelles de fête non-station de radio. Mais ce n'est pas un secret pour personne. Radio Caraïbes, Patrick Moussignac, t'a accompagné Mirlande Maniga. Donc, Radio a fait campagne. Fou yon candidat. Mais moi-même, les nous réunis avec les DGA, le patron, le taureau, lui expliquait nous que dans Radio Palla, pendant deuxième tour, pas bien déclaration Michel Martelly qui a passé, pas bien meeting Michel Martelly qui a passé, pas bien même mon son Michel Martelly qui a passé. Moi-même, qui ai une édition de nouvelles, je pensais qu'il doit être équilibré. Moi dit non, moi je ne vais pas faire une édition de nouvelles pour gagner deux candidats qui sont dans le deuxième tour pour passer son yon, pour pas passer son l'autre. Donc à ce moment-là, DG me dit que Bentoro, c'est à prendre ou à laisser. Donc, j'ai laissé. Décembre 2010, moi je prends avion, mal refamime à Paris, mais nous entendons, moi même avec DG, que m'a fait 3 mois campagne pour deuxième tour sans solde. Donc, pas de travail. Alors, 3 mois campagne en dehors radio. Non, 3 mois campagne là. Campagne, puisque mon campagne présidentielle, mon deuxième tour pour le faire. Oui. Mon campagne. Alors, nous là, nous dans le deuxième tour. Nous dans le deuxième tour. Nous. C'est dans le deuxième tour. Caraïbes pour aller endosser Mme Maniga. Exactement. Résultat au bail. En décembre. Oui. Michel Martelly, Mionan Maniga, dans le deuxième tour. Alors, mais après le simulant, j'ai décidé de mettre deux. Exactement. Mais deuxième tour après le fait en mars. Ouais. Donc, en janvier, février, mars, 3 mois de campagne pour le deuxième tour. Ouais. Donc, pendant 3 mois, ça, comme yo dit dans l'édition de nouvelles, yo pas gain voix l'autre candidat qui a passé, et ceci n'importe qui candidat que le teye. Ouais. Parce que m'estimer que moi-même, si ma foi édition de nouvelles, si j'ai deux candidats deuxième tour, faut que je me meeting yon, meeting l'autre pour équilibrer. Maintenant, je me dis, ok, 3 mois, ça, pendant campagne, ça, m'a fait le dehors. Les élections finies, m'a retourné dans la radio. Parce que je n'ai pas supporté l'idée pour ma fond édition de nouvelles pour le gain force côté. Ok, on est d'accord. Maintenant, c'est là que. Mais en décision comme ça, est-ce qu'il pas prend entre le patron et le directeur de l'information? La période là où tu es se présentateur dans la radio Caraïbe, le 19-20? Mon histoire avec Radio Caraïbes, elle est plus loin que ça. Okay.
tu as gagné effectivement un directeur de l'information. Mais ça, c'est une négociation PAM avec toi. L'aime t'a retourné saut en France, c'est moi avec. OK. Lui dit qui ça me voulait faire, moi dit mais ça me va le faire. Le 19-20, c'est moi qui viens avec. Oui, 19-20. Les patins programmation radio. Oui, c'est plus dans la France. Exact. Moi, je fais. Maintenant, à partir de là, tout, négociation, discussion, faites en moi-même avec. Donc, je dis, OK, bon, 3 mois ça. Bon, mal à Paris, mal à la famille, etc. Donc, je passe 3 mois. Et puis, après 3 mois, en avril, je retourne avec le travail. Boucan de la parole. Et puis, justement, pendant 3 mois ça, je saute à Paris en commencement janvier. Janvier, moi là, ma puis dans la radio, vin blabla parce que la radio, c'est ton base. C'est ton base. Janvier, élection finie? Non, élection. Alors, deuxième tour, en fait, pas et deuxième tour, fait. Oui. Mais même moi là, ma vin dans la radio, chaque après-midi, là, etc. Son espace de pouvoir, Richard Vanier. Oui. Entre nous. Et ça, moi, dit le tout dans l'épisode. En pile, le monde fréquentait Richard Van à cette époque, pour y'a joindre les pays à tap marché. Les pays à tap marché. Bénédiction. Pour joindre bénédiction par Richard Van. Bénédiction Richard Van, non? Oui. Donc, si vous avez besoin de parler dans la radio à tout, vous avez un doigt là, et puis vous parlez à patron, et le patron dit ok, vous mettez passé dans l'intersection. Oui. Vous mettez passé dans ramassé. C'est dans boulevard. Donc, moi-même tout, en janvier, comme mon pape travaille, moi je viens dans la radio, etc., dans l'espace là, Zami, journaliste, ah ben blague. Mais en février, je reçois un appel de Wilson Jeudi, le maire de Delma, que, qui ses amis, moi, l'Irelem, les dit, mon cher Michel Martelly, m'a fort rencontré Michel Martelly, il y a besoin en Montaco. Et puis voilà, je me fait me rencontrer l'équipe de Martelly, et en février, fin février, je vais rentrer en de l'équipe là et participer dans la campagne. Donc là, on vient à supporter Michel Martelly. Non, pas supporter. À supporter, vous voulez dire, non. Moi, porter service. On dans l'équipe. On dans l'équipe là. Moi, intégré l'équipe là. Moi, rencontré Grégory Maillard-Paul. Moi, rencontré Sophia Martelly, Thierry Maillard-Paul et Michel Martelly. Et moi, rencontré Laurent Lamotte, toute l'équipe là. Et puis, je commençais à développer avec eux des stratégies de communication pendant la campagne. Et là, 3 mois pour qu'on finisse. 3 mois pour qu'on finisse, là on est en mars. On est en février. Okay. On est en février. Donc c'est là, moi venu dans l'épisode 5 là pour me parler de la campagne de Martelly. Oui, c'est ça qu'on y a moins tout entré dans la campagne. Alors là, là, où on pose. Moins pour on pose. Sans sol. Sans sol pendant 3 mois. Qui sont pour annoncer Caraïbes. Moi, annoncer Caraïbes que moins dans l'équipe Martelly, moins dans la campagne. Vous cantez la parole. Ça tout vous répond. Bon, j'ai pas dit ouvertement à Toro. Mais, équipe là, au courant que mon campagne, maintenant, et je te connais effectivement, maintenant, ça qui est étonnant, c'est que Michel Martelly, ça, que yo te empêché, m'baye parler, hein? C'est lui-même l'alphine président, premier côté de l'Abvenis. Alors, c'est Ravanan, sur l'espace pouvoir. Mais, est-ce que, avant même 19-20, ou pral dit bon, c'est sans cynique barrel là, ou même dit blam pas d'accord, il y a des candidats dans le deuxième tour, si m'ba on balé fort, la parlé. Est-ce que tu as dit Martelly dans sang qu'il faut te répondre tout à comme ça? Bon, Joe. Avoir du Martelly dans le sang, et bah, c'est pas, ça va taper normal pour moi, puisque je ne peux pas rencontrer Martelly. Ok. Et Myrlène Maliga est plus ensemble, puisque nous avons des affinités intellectuelles, ça c'est un. Radio Caraïbe a supporté, ça c'est deux. Et troisièmement, moi, ma Myrlène Maniga, nous avons fait une émission sur Constitution ensemble. Ouais. Pendant 4 mois, m'a côtoyé Myrlène Maniga. Donc il était plus simple pour me accompagner l'équipe de Myrlène Maniga. Non, pendant la radio, maintenant, souvent, est-ce que l'équipe Martelly a été au courant d'un bagage comme ça? Peut-être, je ne sais pas. Mais pendant la radio, moi-même, m'estimais, si m'a fait une édition de nouvelles, peu importe candidat, si il y a deux candidats, il faut que moi équilibre l'édition de nouvelles là. Pour moi, c'était que ça. Maintenant, peut-être que l'équipe Martelly a tout à suivre ça, tu comprends ça. Peut-être qu'il doit c'est ça que fait au Tevin Relem par la suite. Maintenant, moi-même, là, au Relem, je ne suis pas juste rester comme ça et puis, d'accord. Je présente un projet. Un projet de campagne. Et je dis encore, si nous avons gardé deux projets,
projet Mirland Maniga et projet Michel Martelia, sans passion, n'a dit projet ça était plus potable. Projet ça était plus potable. On parle de qui projet? Projet équipe Martelia. Mm-hmm. Parce que là, m'a regardé projet de campagne là. Là, m'a regardé programme que j'ai montré dans moi-même. Que m'était ouais avec comme pilier les 4 E, état de droit, environnement, éducation, etc. Donc ça veut dire que les m'a regardé programme ça. Les m'a regardé à faire l'école gratis là. Les m'a regardé comment yo détailler dans projet de campagne là. Moi dis si bas ça réussi fait pays à sauver. Moi c'est ça me comprendre. Mm-hmm. Maintenant, force est de constater que 13 ans, 14 ans après, nous n'avons qu'à haut. Mm-hmm. Mais quand même, projet pour projet, moi, je t'ai choisi projet équipement télé. Mais, regardez, projet au terrain, mais, hein, li pareil, si ça dit tout, moi, je dis Jodia que je déçu. Moi, je dis Jodia, moi, déçu, puisque moi, participer dans l'échec pays. Et là, tout. Moi, invite à regarder l'épisode 10 là, côté me parler de ma responsabilité dans le chaos PHTK, puisque il faut nommer ça cap passer là qu'on y a son chaos. Maintenant, moi contribuer là-dedans. Et comme moi contribuer là-dedans, moi expliquer pour qui ça, moi t'ai accompagné à la fois Michel Martelly, ensuite Jovenel Moïse, ensuite Premier ministre, pour qui ça m'était accompagné yo. Parce que dans tête pam, moi t'ai pensé que effectivement, ça m'était ouais. Si j'en étais sous papier, il était exécuté comme ça, je pensais que je tapais un monde qui est plus heureux pour constater le résultat. Mais force est de constater que le résultat, c'est exactement le contraire. Et donc, moi, fixer responsabilité, pam, et moi, assumer choix. Alors, faut nous regarder l'épisode, c'est extrêmement important. Nous dans 8e épisode là, mais on dit candidat en pile monde t'es en face lien pas de vouloir parler dans 19-20 ou bien dans toute édition de nouvelles qui gagne dans radio, il pourra plus remet le passé aussi. Pas dit au plus remet le passé, mais sauf que me constater que les candidats fin président premier côté là le palais, c'est dans la radio. Bon, le président, il va être candidat encore. Le président, il vient pour bénédiction. Il vient pour bénédiction. Maintenant, moi, je trouvais que tu es ma concohérence. Tu es ma concohérence. Non, c'est pas composition parce que je veux dire, ce président, il est président de toute la République. Président de la République. Donc, élection finie. Ok. Mais à gagner. Si mais candidat, il est pour l'élection, il doit la parole. Il doit la parole. Maintenant, moi constater que c'était là que le t'ai parlé en premier. Maintenant, moi constater tout par la suite que l'y fait plusieurs fois, même le pas de président encore, continuer à parler non radio ça. Maintenant, radio assez radio pam lié, radio Caraïbes jusqu'à présent moi-même les mon a gardé la brouille avec Caraïbes épisode 4 là. Yo ka pensé que moi-même non problème avec radio Caraïbes non. Moi, pas de problème avec Radio Caraïbe. Ça qui est passé, moi, expliquer et moi, expliquer position. Mais aujourd'hui, mes relations avec Radio Caraïbe, mes relations avec Patrick Moussignac, ce sont des relations normales parce que Patrick Moussignac, c'est quand même le parrain de mon mariage. Moi, fait 20 ans à côtoyer, à vivre bon côté. Autant relations personnelles que professionnelles, nous, normales. Nous, dans le 8e épisode, là, on parlait de Garibaudou. On va parler seulement de Gary Baudot, on va parler de deux Gary. Gary Conille. De Gary Baudot. Et Gary Baudot. Okay. Gary Conille, Premier ministre, moi conseiller en communication. Moi estimé que Gary Baudot était à la tête de Jeune Corégen à l'époque. Gary Baudot était en pile fougue. Gary Baudot était un activiste dans le mouvement étudiant. Moi estimé que Gary Baudot a une capacité et que il est capable de mettre à profit deux primatures. Moi, fait Premier ministre en parle de ça. Et il prend rendez-vous avec moi. Et dans dimanche, je vais chercher Gary Baudot. Je prends rendez-vous devant Radio. Je vais chercher lui. Nous montons car Premier ministre. Là. Nous, on est reçu par le père du Premier ministre qui c'est Serge Conille.
nous chita dans le salon, on commence à faire des blagues, et puis après, le Premier ministre là, est dans la chambre, descend, vient joindre nous. Nous chita, nous discutons, le Premier ministre là, ouais, effectivement, une grande potentialité dans Garibodo. Lui, la semaine suivante, fait signer un contrat comme membre de cabinet chargé de la jeunesse et des étudiants. À partir de là, Garibodo, membre cabinet, moi-même, moi, membre cabinet, me conseiller chargé de la communication. Nous, en bas, de temps en temps, l'IPAVIN chaque jour, le vini trois fois par semaine, l'elle vini. Pas de assez d'espace en bas, l'elle vini généralement, c'est dans le bureau Mnichita, nous boit du café ensemble, nous baillons deux, trois blagues. Et lui-même, l'a continué à faire travail, lui, m'a continué à faire travail, moi. Mais, par la suite, c'est pour le même Garibodo, ça, qui pourrait le casser Tibois dans les oreilles PM, non, contre moi. Et qui prend le remplacement. On dit, vous voyez comment Garibodo apprend à des Israël et Jacques Cantave sont bienfaiteurs pour son poste à la primature. Oui, parce que si c'est moi qui mène, mes amis, mais non, parce que m'estimer qu'on a une capacité. Mais on ne peut pas le tripotage sur moi pour le remplacement. Donc, si vous faites. Comment on va tripotage en politique? Bon, comment on va être du chef là? Comme si pour démasquer l'autre. Non, cabinet. Gagné un ensemble de monde qui a gravité autour de chef là. Chef là au milieu. Si chaque fois chef là a besoin, je sais pas, bouteille de l'eau ça, il dit Ismaël, prends de l'eau ça à moi. Si c'est aucun bé de l'eau chef là, est-ce qu'on connaît ça? Ça a une certaine influence sur chef là? Ouais. Est-ce qu'on connaît tout? Gagné l'autre nègre qui est dans le cabinet avec Cap Gado qui dit quel monsieur? C'est fait bien là, mais c'est monsieur Kabaye. Je suis contre l'histoire comme ça. Divalé dans la campagne, mais on a fait campagne à Divalé. Chaque jour, Divalé m'a dit sauve-le. Il dit Mavla, un président. Oui, juste. À la dernière minute, il dit bon, Maxime, qui a parlé dans le conseil des ministres. Et puis, chaque temps, monsieur, dans le conseil des ministres, il vient dans le mais pas gagné d'y vrai. Mais Divalé, sous qui tête-li. Bon, moi, et je ne vais pas citer non parce que c'est un ami, moi, qui. T'es dans l'équipe Matelia, eh bien, lui, il n'a pas de bien poste non plus. Mais. Pas de M. Ronelson, non? Non, Ronelson, okay. Non, pas Ronelson. Il n'a pas de bien poste. Okay. Mais, il est capable dans les oreilles président. Ok. Et est-ce qu'on connaît des ministres qui étaient plus avec monsieur que Matelia? Que président? Oui. Parce qu'on connaît que monsieur. Monsieur Gué Zoré, président. Eh bien, justement, donc, moi-même. Nous avons un poste qui était clé, puisque nous conseiller en communication. Alors, conseiller en communication, on a un poste qui est transversal. Ouais. Donc, ça veut dire pas gagner normalement que le cabinet a fait ou pas ta supposé, pas au courant. Ouais. Donc, ça va où on a accès à l'information, ça va où on a accès privilégié tout à Premier ministre, là, à directeur cabinet. Maintenant, peut-être que mon ami, tu as besoin, place ça. Et par la suite, nous prenons que Plassa a fait un pile pour lui, bon côté Laurent Lamotte, qui était venu prendre relève Gary Conny après. Et c'est peut-être Plassa tout qui pourrait le permettre que lui arrive côté le Rivéa, c'est-à-dire président de la Chambre des députés. Et c'est avec Plassa tout que le bras fait campagne, avec les projets sociaux que Laurent Lamotte te mettait sous pied. Donc, nous comprenons pour qui ça, il était besoin de Plassa. Qui relation aujourd'hui à Gary Boudot? Ben, relation avec Garibodo, c'est bizarre. Alors, on est avec Pierre-Renel René, ou dit avant, on fait épisode sur Caraïbla de Patrick Moussignac, ou dit tout, on va le parler. Mais épisode, ça a capoulé là, pendant la journée. Est-ce que on dit Garibodo, on va le parler? Non, pas aussi ami Garibodo pour me dire ça, parce que si on a fait ça, pas aussi ami que ami Patrick Moussignac. Non. Bizarrement, l'aime sorti épisode 5, épisode 5qui relait épisode 4, c'est la brouille avec Caraïbes. Épisode 5, c'est le calendrier de la discorde où Gary Conny est mon bref, mon passage à la primature. L'aime fait Gary Conny est mon passage à la primature, épisode 6. Oui, épisode 6. Eh bien, vous voyez le bail. Mon ami Garibodo qui commentait. C'est ton ami Garibodo. Bon, c'est ironique. Il commentait et puis il dit mon cher, est-ce qu'on pensait ou pas pensé au taf ou t'as dû faire des conférences avec bah ça ou peut-être que ça t'a qu'à rapporter ou etc. Ça si fait des conférences. Il me dit merci pour le conseil. M'a mettez en pratique.
Mais il ne savait pas que j'allais parler de lui. Vous pas voyez l'épisode de la boule, non? Non. Vous pas voyez le boule, mais vous voyez le bail monde que je connais la plus. Ok, ok. Et les jeunes, ils disent malade, il faut me prendre un médicament. Ok, dans le 8e épisode là, oui, quoi, malade. C'est l'âme malade. Dans le premier, on me dit qu'à faire conférence. Mais l'âme malade. Où est-ce le fait? L'âme malade. Conférence à la bière. Alors, nous, on fait tirer à l'essai avec. On se fait un peu demander où, puisque vous avez une capacité au Nigilo, lui-même, lui, gagné pour ta écrit livre. Bon, c'est vrai, je dis avec nouvelle technologie, n'a pas gardé vidéo. Pour qui ça? Qui sont pensés ça ou capable de servir? L'autre décide de raconter son vivre dans la coulisse pouvoir. Moi, pensé le capable de servir à un jeune capitaine Demla qui voulait rentrer dans la politique, déjà pour le connaître à qui ça les doit tenir. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est un partage d'expérience. Mm-hmm. Mais troisièmement, c'est quand même un pan de l'histoire récente du pays. Mm-hmm. C'est des archives. Maintenant, faire donc documents audiovisuels qui sont page YouTube, ça assure pérennité. Ouais, ouais. Yon livre, si me font livre jodia, durée de vie livre là, l'illimité. Ouais. Ça c'est un. Mais deuxièmement, accès à livre là, li pi restreint que accès à YouTube là, mm-hmm. à Facebook là. Maintenant, dans le monde entier, mm-hmm. moun y a accès à YouTube et à Facebook. Ouais. Et moun qui haïtien qui est intéressé à la politique Haïti a touché de ça, mm-hmm. peu importe côté lié dans le monde là. Si m'te font livre, j'étais à Montréal il y a 2 semaines, mm-hmm. peut-être que m'ta font 20 signatures à Montréal, mm-hmm. peut-être que m'ta venir font 20 signatures ici en Haïti, m'ta mm-hmm. passé font 20 signatures aux États-Unis, mais ce serait tout. Mm-hmm. Peut-être que m'te qu'à mettre sur Amazon, mais ce serait tout. Mais je pense que là ça va beaucoup plus vite et là comme vous avez remarqué sous page moyen, IJC.group mm-hmm. sur YouTube, ou après que j'ai des milliers de monde qui ont regardé en même temps. Donc, ça veut dire que m'atteint beaucoup plus de monde que si j'ai fait un livre. Justement, d'abord, demandé ça, comment Mounio, auditeur, internaute, captain de là, vous capable de regarder et, eh ben, pour et le journaliste dans les coulisses. Pour regarder IJC, un journaliste dans les coulisses du pouvoir, on fait IJC.groupe, G-R-O-U-P-E, sur YouTube. Et puis, on a bien accès à. Alors, on dit un journaliste, vous décidez de raconter de où, puisque oui. Jira écrit lui-même. Jira écrit. Oui. Encore, où t'il pas écrit? Et où t'il pas écrit? Où t'il pas écrit? Guidel va pas écrit. Guidel va pas écrit encore. Tamara Orion. Tamara Orion, pas écrit. Franz Exantus. Franz Exantus, c'est secrétaire d'État. Oui, Franz ouais. Exantus pas écrit, mais bon, peut-être qu'on peut l'écrire. Mm-hmm. Mais bon, voilà. Donc ça veut dire, sous Facebook, c'est IJC Group. Mm-hmm. Sous Facebook, c'est Israël Jackie Cantave. IJC Group. L'ICA Israël Jackie Cantave, mais l'ICA tout, innover, jauger, communiquer. Ok, ok. En tout cas, c'est IJC. IJC.group mm-hmm. sur YouTube, IJC Group sur Facebook. Et puis, on va abonner, on va liker, on va partager, et puis on va avoir accès à l'épisode chaque fois que je sorti. L'épisode mm-hmm. sorti le lundi à midi, mm-hmm. le vendredi à midi. Alors, c'est le 8e épisode là. 8e épisode là sorti jeudi, mm-hmm. c'est vendredi. 9e épisode là, qui parle de Laurent Lamothe, a sorti lundi à midi. Mm-hmm. Et 9e épisode là, relé, Laurent Lamothe, un PM nouveau. Ça veut dire, l'homme dit nouveau, moi nouveau, il y a tout sens là. Parce que, à la fois. Un PM qui va avoir coup de langue? Non. Et pas ça. À la fois, dans la forme et dans le fond, son PM qui est nouveau, parce qu'il devine avec un nouveau souffle. Est-ce qu'on connaît que c'est sous Laurent Lamothe que tout ministre commence à utiliser iPad? Mm-hmm. C'est sous Laurent Lamothe, tout ministre commence à utiliser BBM. Son équipe était très versée dans la communication. Mm-hmm. Et il y a des ministres qui partent même car on dit j'ai envie d'utiliser iPad là, mais tout discours ministre, tout net est sur iPad. Donc c'est là, c'est le style. C'est là tout a commencé à évoquer mon sous BBM tout. Ah oui, mais c'est là ça. Pour tous recevons BBM et pour arrêter que ce tigre l'autre non. Et pour pas chef encore. Et c'est sous Laurent Lamothe tout, les grands projets sociaux pour Alvini, qui pourraient permettre d'un pile nègre qui riche comme Crésus dans le moment. Par exemple. Et puis l'ambile n'a eu sanctionné par les États-Unis. Par exemple. Par exemple, Laurent Lamothe lui-même. OK.
par exemple Garibodo aussi. Oh, ok. Qui sauve là encore. Avancé. M'avancé déjà eu. Donc Mounsayo sanctionné par communauté internationale là pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment, etc., etc. Donc mais est-ce que YouTube, Facebook l'a rapporté? Quand même, son livre t'est fait, c'est ton père dit. Il me dit, ses capacités, ou si son livre ou ta font ventilation, est-ce que jusqu'à présent. L'avantage que YouTube avec Facebook, Bao, c'est que à partir d'un certain moment, à partir d'un certain nombre de vues, l'argent a commencé à monétiser. Ok. Donc ça viendra. Mais m'ré deux autres saisons. C'est celle, première saison, hein, là. Deuxième saison, on a des révélations, pichoc toujours. Sous qui autorité. En deuxième saison, on peut regarder les grandes dames qui prennent d'assaut le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils sont. Oh, là, on pense que c'est monsieur au cap dirigé et mesdames. Yo. Qui bon Sophia Martelly. Bah, Elsa Boussan. Bah, Stéphanie Balmire-Villedroin. Sous Martelly. Ah, mon cher. Florence Duperval, Guillaume. Oui. C'est des mondes qui fait tout le temps Matélias au pouvoir. Oui, pas j'aime petit pouvoir. Il dit le désormais, c'est Sophia Ampili. Ministre de la. Ou qu'est-ce que vous avez dit? Ampili. Merci Ampili, c'est le chat qui est amené quand tu as parlé avec vous. Merci Ismaël, c'est un plaisir pour me passer. Ouais, non? Et puis, je souhaite nous un peu le courage. Et c'est fête la carrière aujourd'hui. Fête la carrière. La carrière au Pilate. Oui, faites la carrière. Saint-Rose de Lima. Saint-Rose, oui. Allez, je ne vais pas aller. Malheureusement. Oui. C'est là, eux m'ont expliqué au bas. Oui. Malheureusement, je ne vais pas aller. Donc, si je connais il y a 14 ans que c'est comme ça, ça tape tourné, mon cher. Peut-être que je n'ai pas fait l'autre choix. Mais en même temps, si je fais l'autre choix, je ne vais pas meilleur que ça, non? Mais Milan Maniga, s'il était président. Vous pensez que je suis meilleur que ça? Oui, c'était. Il fait que ce président-là, son marionnette, il était, oui. Il mourit là, oui, pour-il politiquement? Oui. Bon. Comme dit, on pas politique en Haïti, mais ça, il mourit. Il mourit, oui, politique. Ça mourit. Donc peut-être que je ne pas faire si mauvais choix que ça. Oui. Merci, Abil. Merci. Merci tout le monde qui est avec nous. Tu as suivi l'émission, Boukanté la parole. Nous espérons que tu passes un bon petit temps.